Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va comparer les trois différentes gammes chez la Phantom GX. La toute nouvelle Phantom, celle qui est en train de faire ravage sur les terrains. C'est une des plus belles paires. Nike, ils ont fait un vrai travail sur les trois paires et on va être là pour tout vous expliquer dans le moindre détail. C'est parti. Donc là, on est face à trois paires. La première qui coûte 85€. La deuxième qui coûte 150 et la troisième qui coûte 260. Donc l'entrée de gamme, la gamme Academy, la gamme Pro et la haut de gamme, la gamme Elite. Déjà, vous voyez, les trois boîtes sont totalement différentes. Mais bon, ça, c'est du superflu. Pas quelque chose d'hyper intéressant. Quand tu joues au foot, tu joues pas avec la boîte sous le bras. Quelles sont les différences entre ces trois paires? Là, au niveau de l'Academy, la tige, avec cette tige-là et la tige Pro et la tige Elite, il y a une très très grosse différence. On va commencer même avec la Elite, comme ça au moins vous allez voir qu'est-ce qu'il y a en moins, parce que c'est toujours là où il y a le plus, et à la fin c'est là où il y a le moins. Donc, sur le devant, ils ont rajouté une technologie qu'ils ont appelée le Grip Knit, le Nike Grip Knit. Donc c'est du thermocollé qui vient se caler juste au-dessus du lacet, et c'est hyper efficace en ce qui concerne ton grip, ton contrôle de balle. Forcément, sur la gamme Pro, c'est pareil, sauf que c'est une matière un petit peu différente. Déjà, c'est pas du Grip Knit, c'est du Nike Skin. Donc, c'est une matière différente. C'est pas le même mesh qui a été utilisé. C'est pas la même matière. Et sur la Academy, c'est encore plus bas. La qualité, vraiment, c'est du Nike Skin, sauf que c'est même pas marqué. Si, c'est marqué, je suis un menteur. Il y a marqué Nike Skin. Par contre, la matière, on sent que voilà, c'est full plastique. Ne vous attendez pas à avoir un grip exceptionnel avec cette paire, contrairement à celle-là. Je dis pas que vous pouvez pas en avoir. De toute manière, le football, c'est pas les crampons. Hein. C'est ton talent à toi personnellement. Il y en a qui sont très bons avec ça et il y en a qui sont très pas bons avec ça. Donc, c'est pas la chaussure qui fait le joueur. Mais en tout cas, au niveau de l'analyse, tu sens que le grip a été beaucoup plus travaillé sur cette paire-là que sur celle-là. Et ça s'explique par la différence de prix. Donc, au niveau de la matière, Nike Skin et Nike Grip Knit. T'as capté la différence entre les trois paires. Et vraiment, on sent même au niveau du toucher, ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment cette sensation de thermocollé. Même au niveau du souche, c'est du thermocollé. Là, c'est juste du brodé. Là, c'est encore plus brodé. Sur le côté, on voit même les coutures au-dessus du Phantom GX. Là, il y a de la couture. La couture, elle est encore plus visible sur la Academy. Et là, il n'y a pas de couture. C'est du thermocollé. Ça fait au moins 15 fois que je répète ce terme-là, mais au moins vous savez la différence entre les trois. Ensuite, on peut enchaîner par exemple avec la semelle. La semelle, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est exactement la même semelle. C'est exactement le même délire, les crampons en tristar, les crampons arrondis, une semelle qui te permet même de faire du synthétique et de la pelouse. Après, c'est quand même une paire qui est beaucoup plus adaptée à de la pelouse, contrairement quand même celle-là, parce que sur cette boîte, sur l'Académie, il y a marqué FGMG. Donc, Form Ground et Multi-Ground. Multi-Ground, ça veut clairement dire que tu peux jouer sur toutes les matières. Et étant donné que c'est la même semelle entre les deux paires, eh bien, tu peux faire exactement la même chose avec celle-ci. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, FGMG. Et ça, c'est cool. Ensuite, sur le modèle à 260, la matière n'est pas la même. C'est une matière beaucoup plus lisse, beaucoup plus légère. Les crampons sont, c'est la même forme, hein. Sauf que c'est pas la même couleur, c'est pas la même rigidité. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus brut. Ça va être beaucoup plus long à mettre en forme, à mettre en place. Alors que ça, t'as même pas besoin de la casser. C'est une paire qui est faite à ton pied, tu la mets et au bout de 15-20 minutes, ça y est, c'est bon, t'es en place. Et c'est normal parce que tu mets le prix sur la paire. Ça, c'est logique. Ensuite, au niveau de la tige, juste en dessous du Grip Knit et du Nike Skin des deux paires, on va voir aussi qu'il y a une grosse différence. Là, toute la partie blanche, c'est ce qu'on appelle le fly knit chez Nike. On connaît très bien le fly knit, souvent utilisé quand la paire est montante. Et là, d'ailleurs, aussi, elle existe, la version montante. Yous, tu me fais une petite incrustation avec la paire en montante. Elle existe. Là, on fait le focus que sur les paires basses. Donc, du coup, c'est full fly knit sur toute la paire. Donc, une matière beaucoup plus flexible qui s'adapte beaucoup plus facilement au pied. Là, ici, pas du tout du fly knit. C'est une matière un peu plus souple. C'est la matière juste en dessous. Hein. En tout cas, ce n'est pas du fly knit. Ça, c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus rigide. C'est moins adapté que la haut de gamme. Mais en tout cas, ça fait quand même l'affaire parce que ça fait une seule et même chaussette. Contrairement à cette paire-là, où là, carrément, il y a une languette. Donc là, vraiment, ce n'est pas du tout la même sensation. Là c'est full chaussure classique. C'est du plastique utilisé de partout sur la paire avec un gros lassage
très traditionnelle. Voilà, c'est vraiment une grosse différence. Là, on peut l'apercevoir là-dessus. Là même, tu vois, au niveau de la finition, le doigt, il passe dans la matière bleue qui est à l'intérieur. Alors que là, il passe, mais différemment. Tu sens que les finitions à l'intérieur sont différentes. C'est beaucoup plus souple. C'est pas la même sensation. Et ça s'explique une nouvelle fois par la différence de prix. Je le répète, 85, 150 et 260. C'est pas le même délire. Ensuite, on enchaîne avec un autre truc. Au niveau de l'intérieur des paires de chaussures, forcément, c'est totalement différent. À l'intérieur du modèle Elite, il y a un petit coussin au niveau du talon. C'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de confort. Sur le modèle Pro, il y est, mais il est beaucoup moins épais. On a la sensation qu'il est beaucoup moins épais et un petit peu plus rigide. Et sur la paire Academy, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment une paire classique, sans coussin. Il y a une petite épaisseur quand même, parce que sinon, tu vas t'arracher le talon. Et quand je dis il n'y en a pas du tout, on a vraiment cette sensation de... Non, je ne dis pas ça genre en mode c'est de la D. Non, bien au contraire, c'est une bonne paire. Si tu as ce budget pour prendre cette paire-là, c'est une bonne paire. Mais forcément, comparé au modèle Elite, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Donc du coup, là, quasiment pas de coussinet. Le modèle Academy, c'est vraiment une paire sur laquelle tu dois partir où tu t'entraînes à peu près une à deux fois par semaine max, grand max, avec ton match compris le week-end. Mais au bout de 4 mois, elle va commencer à fatiguer. Celle-là, tu peux augmenter ta variante d'entraînement à 3 entraînements max plus le match. Et là, c'est un modèle haut de gamme, donc logiquement, tu peux t'entraîner toute la semaine à l'image des professionnels. Et normalement, ça ne bougera pas pendant au moins 6 mois. Après, si tu t'entraînes tous les jours de la semaine, plus le match le week-end, forcément, ça ne sera pas le même level. Donc, logiquement, mais là maintenant, c'est même pas logiquement, c'est maintenant que tu captes quelles sont les différences entre les trois paires. Tu peux retrouver ces trois modèles à ces trois prix différents directement sur www.foot.fr. Si tu es intéressé par ces trois paires, les liens sont dans la description. Fais-toi plaisir, mon soldat. Maintenant, tu n'as plus aucun secret. Du moins, ces paires n'ont plus aucun secret pour toi. Tu peux prendre ta décision. N'hésite pas, si tu es proche d'un de nos trois magasins, Marseille, Avignon, Lyon, va jeter un coup d'œil, va tester directement magasin. Tu as des équipes exceptionnelles qui vont t'accueillir les bras ouverts pour tout expliquer encore plus en détail. Donc, fais-toi plaisir. Tu as trois paires qui peuvent répondre à ton budget. Et peu importe le budget, il n'y a aucune honte. Si tu as les moyens de partir sur un modèle comme ça, feu. Si tu as les moyens sur celui-là ou sur celle-là, let's go, on se fait plaisir. Soldat, je te laisse sur ça. N'hésite pas, si tu as des questions particulières sur la paire, est-ce qu'elle est adaptée pied fin, pied large? D'ailleurs, je peux y répondre directement maintenant. Moi, pour moi, la Phantom GX, c'est une paire qui s'adapte grave. C'est une paire pour milieu de terrain. Donc, si tu as tendance à avoir le pied très fin, je ne vais pas te dire c'est top. Le pied fin, je vais plus t'envoyer sur de la Mercurial, de la Vapor. Mais si tu as le pied classique, voire large, la Phantom GX répond parfaitement à ses attentes. Moi, je trouve qu'elle est hyper dynamique pour ça. Et en plus, elle ne fait pas gros pied. Donc ça aussi, c'est un avantage. Ma foi, il faut être aussi un petit peu beau gosse sur le terrain, c'est important. Donc, tu peux te faire plaisir avec l'une de ces trois paires, ou les trois. Ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui gères avec ta carte bleue, mon soldat. Ou la carte bleue de papa et maman. Ne fais pas trop de bêtises quand même. Je te laisse sur ça. N'hésite pas. Si tu as des questions, je te les dis. Dis-moi ça en commentaire. Abonne-toi pour nous donner de la support. Active la cloche pour ne rien louper. Bon, tous les jours, toi, à chaque vidéo du moins, on va t'apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bise, comme d'hab.